Et rebonsoir tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre soirée ESL Pro League saison 3, tout simplement avec le deuxième BO1 de la soirée entre Flipside et Fnatic. Je le rappelle juste avant, Fnatic s'est imposé 16 à 13 face à Flipside. On n'attendait vraiment pas que Flipside soit à ce niveau, et finalement ils le sont. Et on attend juste le ready tout simplement pour tout simplement partir en life round, choisir son side entre les deux équipes. Va être notre futur tout simplement. Bon, du coup, en attendant le ready, un petit peu voir ce qui se dit dans le chat. Si vous avez des questions et des réactions par rapport au match, tu peux savoir aussi si vous êtes plus Flipside ou bien plus Fnatic. Vous connaissez les délires, hein. Go Fnatic ou go Flipside dans le chat. Ça, moi, ça me permet de me donner. Je vois un petit peu, hein, le genre. S'il y a plus de messages Fnatic ou plus de messages Flipside, et comme ça, je me dis, tiens, j'ai un chat un peu plus fan d'une équipe que de l'autre, mais je pense que ça devrait être plus équilibré. Coucou à toi, Super Carotte. Ouh, joli pseudo. On attend toujours le ready, hein, tout simplement. Pour partir se charcuter, généralement, on se charcute vers le T, dans le middle. Entre les deux équipes, c'est un classique. Salut! Et go Fnatic. Je vois ça. Ah, il y a quand même... Ok, on a des petits trolls, hein, qui mettent d'autres équipes. Hein. Grand classique. Flipside, Fnatic. Ah, c'est très équilibré. Hein. Je m'y attendais à ce que ça soit autant équilibré. C'est vrai que Fnatic, c'est une équipe finalement qui a moins de fanbase en France. Enfin, je trouve que c'est une équipe qui est un petit peu hypée dans d'autres pays de l'Europe, tels que l'Allemagne. C'est une équipe qui a quand même son pesant de fans. Mais en France, on est un petit peu plus... je trouve qu'on est beaucoup de Navi. Et sinon, j'ai deux Envious, mais beaucoup de Navi, Luminosity aussi. Les joueurs, enfin les Français en général... aime beaucoup. Après, c'est attention, c'est une comment je dis, une moyenne, hein, entre guillemets. Si vous n'aimez pas un joueur que je cite, c'est normal. On peut pas tous avoir les mêmes goûts. Donc, personnellement, je suis pas fan de Guardian, mais pourtant, enfin, quand tu vois sa fanbase en France, c'est assez fou. Après, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Voilà, Cody qui nous dit Fnatic les best. C'est quoi le nom du caster? Alors moi, c'est Universe avec un H. Et on va pouvoir partir directement dans le mid, se trancher. Et on va bien voir laquelle de ces deux équipes, je le rappelle juste avant, c'est Flipside, hein, qui a pu choisir son side sur Overpass. Pour l'instant, il y a un léger avantage. Hein. Flipside, encore une fois. Allez, on y croit. Peut-être pour deuxième knife. Oula, le TK. Il reste plus que JW. JW, il peut le faire en fait. S'il arrive à prendre Bondic en 1v1 et Chara en 1v1, il restera plus que Blade full life. Donc du coup, après, il peut gérer un cut full life. Par contre, ouais, il va réussir à prendre le premier. Il prend le deuxième. Comme je l'ai dit, il reste plus que Bondic full HP. Et du coup, ça donne un 1v1 très équilibré. Avantage JW sur le fait qu'il maîtrise plutôt bien ses knives. Attention, JW Bondic. Quel des deux joueurs? Oh là là, ça joue la tempo. Très bien. Allez. Allez. À un moment ou un autre, va falloir y aller. Oh JW. Et il va réussir à mettre le 1v3 en knife round. JW. Solide, hein. Très solide lors des knife round. JW. Vous avez vu comment brain ses ennemis au knife. Et les Fnatic vont pouvoir tout simplement stay en CT. Et on va pouvoir choisir un petit peu l'option no stuff, hein, côté Fnatic.
4 Kevlar, des diffuseurs. Attention, déjà JW, la pression dans le mid. Ouh, il s'est pris une grosse tête. Il ne sera pas tombé, mais il s'est pris le HS. Il n'a plus que 24 HP pour terminer ce round. W. Du coup, c'est une bonne opération finalement pour les joueurs Flipside. Attention, attention, Olofmeister. Putain, qui est Bondy qui est en train de s'infiltrer dans ses appartements. Il va pouvoir déchirer Olof. Il va continuer à travailler ce T. Pour l'instant, c'est bien fait hein, de sa part. Attention, Denis et JW qui remettent les pendules à l'heure. La bombe qui est tombée. World Elite qui va pouvoir peut-être la récupérer. World Elite qui s'approchait. Il n'a pas pris d'informations. World Elite, il ne le sait pas que Flusha est dans son dos. Il est en train de faire le dos à World Elite. Oh là là, encore une fois, le puck. Tous les joueurs, les deux derniers joueurs, vu que Markelov vient de prendre le kill sur JW, sont ultra low HP. On a un Flusha à 5 HP, un Krims à 4 HP. Il y a un Defuse. Il y a un Defuseur dans les mains de Krims, hein, tout simplement. Donc, ils peuvent tenter quelque chose, mais voilà. J'ai peur un petit peu de la nade à World Elite. Et on va s'approcher. On va s'approcher. On va la tenter. Pour les joueurs Fnatic. Mais ça. Oh là, cette nade. Oh, oh, Kobe Bryant. Oh là 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 là. Elle fait plaisir, cette nade. Oh, je pense qu'elle va faire. Qu'elle va vous faire plaisir hein, dans le chat. Parce qu'elle est. Elle est magnifique. Doublé OGR à la grenade. Kobe Bryant. Le 3 points. Et du coup, bah, côté Fnatic, on va faire le call du force. Avec du 3 CZ et 2 Deagle. Attention, Markelov qui va s'infiltrer directement dans ses appartements. Pour l'instant, pas trop de contrôle de fait. On va commencer un petit peu à travailler cette banane pour les joueurs Flipside sur ce round. Attention, Shara, au duel OT, là, dans ce mid, face à Olof. Olof qui n'a pris aucune balle. Beau strafe de sa part. Shara qui terminera à 60 HP. Et la nade qui va mettre Krims à 45 HP. Et attention, attention, Olofmeister. Markelov, il a Soon, hein. Il est ressorti des appartements en slow, parce qu'il a Soon qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas du Wallach s'il commence à s'approcher à bien checker toutes les poses. C'est uniquement à l'oreille tout ça. Et World Elite qui est en train de travailler cette banane, il va rentrer sur le BP, il va arracher la tête de Krims, puis le terminer. Avec les dernières balles, là, Shara aussi, pour l'instant. Attention dans cette smoke, ça met de la pression. Les joueurs Flipside sont plutôt low au niveau des HP. En plus de ça, on a Flusha et Denis qui arrivent au niveau de construction. Oulolo. Blade et World Elite qui vont récupérer les bons frags. Il reste plus que JW et Olofmeister qui peuvent aller save. Hein. Tenter quelques... Pardon. Tenter quelques exit kills, pourquoi pas. Récupérer une arme. Peut-être une bonne opération là par les deux joueurs de Fnatic. Ça récupère des pistoles au sol. Et pour l'instant, aucune arme de tombée du côté Flipside. Et Shara va décaler JW, JW qui ne pourra pas save son CZ. Bah, on va devoir repartir par la case éco sèche, hein, côté Fnatic, regardez. Ils n'ont pas d'argent, il faut vraiment keep moving. Plus de ça, côté Flipside, ça commence un petit peu à stack les dollars. À mettre en place une économie certaine. Pour l'instant, on est bien. On tente un petit pack sur ce BP. Ouh, t'as la JW qui s'est fait voir dans ses appartements. Olof. Olofmeister. Tente le Juan. Ça ne passera pas. Attention, Shara. Et ils sont bien à deux hein, sur ce BP, les joueurs Fnatic. C'est Bondy qui va déjà faire tomber Olofmeister dans ce mid. Le seul joueur qui avait une possibilité de faire quelque chose sur le round vient de tomber. Blade. Ouh, par contre, Flusha sur Blade.
Attention, World Edit en train de push. Le chat qui va tomber. Le joueur c'était Denis qui était en train de revenir sur ce BP qui va tomber lui aussi. Et World Edit sur JW. Ce qui nous fait les 3 rounds d'économie fait. Et du coup, on va pouvoir partir pour le premier round d'achat de cette deuxième map. AWP dans les mains de World Edit. Alors que du côté Fnatic, on n'avait de toute façon pas assez d'argent hein, pour sortir. Le joueur qui avait le plus d'argent, c'était JW. Il en avait 4650. Il lui manquait 150$ pour se mettre en glass cannon. Mais voilà, donc setup full rifle pour les Fnatic. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux. Mais Markelov, par contre, il a choisi de ne pas upgrade. Ce fait qu'il va se retrouver à l'UMP45. Attention, World Elite. Oh, c'est beau là ce qu'il vient de nous faire, World Elite, sur Olof. Il laisse une belle entrée pour ce BPB. Attention, Bondic peut-être pour une décale. W qui va s'infiltrer dans ses appartements. Ça serait tellement beau là. Et il va déjà prendre le premier kill sur Bondic. Rims à la décale peut-être face à World Edit. Avantage normalement à World Edit hein, car il a la ligne à la WP. C'est Smoke. Ce City est Smoke. Attention. Oh là là, Crims. Il vient de se faire. Il s'est pris quand même plutôt pas mal la sauce là. Mais Flusha trop solide. Il fait tomber le bomber. Crims. Flusha, encore une fois, Flusha qui va gagner. Il va réussir à prendre un bon timing de dos là. Sur Markelov qui était occupé à faire tomber JW. Et JW cette fois-ci qui a assez d'argent pour sortir un petit Kevlar, du petit truc, voilà, un petit flash, petit smoke. Il a récupéré la WP tombée de World Elite, tout simplement. Ce qui permet de partir sur un setup de part et d'autre à WP. Une sur World Elite, une sur JW. JW, cette fois-ci, comme vous l'avez vu par rapport à Overpass, ce n'est plus Olof Meister ou bien Denis qui va jouer la WP des Fnatic, mais bien JW. Il apprécie particulièrement les positions agressives dans les appartements généralement avec cette AWP. Partie d'une de ses strats favorites. AWP, un sniper très agressif hein, sur plusieurs maps. Sur Inferno par exemple, très agressif généralement dans les appartements qui met un peu de pression. Et agressif aussi sur D2. Au niveau de cette short en particulier. Et il y a un trou dans la défense Fnatic. Il faut en profiter pour les joueurs flipside. On a déjà Olof Meister qui est reparti au niveau de cette vote Q. Attention. Et oh, il va gagner. Excellent timing hein, de Olof Meister là pour ce coup-là. Bondic stuff en main qui va tomber. C'est du 4 contre 4. On est extrêmement low HP. Tout stuff loupé là de la part de Olof Meister. Markelov, le seul joueur flipside à avoir encore 100 HP. Pour l'instant, les gros fools, Shara et World Edit qui vont gagner leur duel. C'est du 2v3. Olof Meister et Crims pour le clutch. Et attention. Je pense que Olof va attendre Crims qui est en train de passer dans ses appartements. Markelov qui va pouvoir avoir une excellente ligne sur Crims. Mais voilà, Crims qui prend le kill sur Markelov. Oh, Olof Meister qui est en train de se louper complètement. Et finalement, il va mettre la grosse tête sur Shara. Il va pouvoir diffuser la bombe. Oula. Olof Meister, il nous a fait très peur sur ce coup-là. Finalement, ça passe, tout simplement. Et finalement, on va call une pause. Une pause flip side. Le chat. Il ne répond plus, j'ai l'impression aussi, côté Fnatic. Il est là, le chat. Oui, il est là. Il bouge. Il appuie sur sa touche F. Le chat. Petit swap down.
Pendant cette pause, si vous avez des questions ou des réactions, je vais avoir un petit peu les yeux sur le chat. Profitez-en. Vous avez des choses importantes à dire. Ok, en fait, on a une connexion intempestive sur le serveur de la part d'un gros troll, a priori. Il voulait des capas dans le chat. Ok. Il vient de revenir, ok. Je pense qu'il est en train d'un petit peu mettre à mal le match, ce joueur, enfin cette personne. Je suis en train de regarder un petit peu ce qui se dit. Bah oui, forcément. Quelqu'un se connecte avec écrit « Can I get a kappa in the chat ?» Bah ça met des kappas dans le chat. Bon classique. Bon allez, juste pour le plaisir, je vais en mettre un. Parce que ça me fait rire. Mais bon, voilà. Si vous réussissez à faire tout ce remue-ménage malsain juste pour que les gens mettent des capas dans le chat, c'est quand même gros, quoi. Du coup, bah ça nous met à mal, tout simplement. Parce qu'on ne peut plus. Les joueurs, ça les met à mal parce qu'ils ne peuvent plus jouer. Les casters, ça les met à mal parce que bah. Il faut qu'il caste, hein. Pour toi, qui va gagner le Major? Je vais mettre ma petite piécette sur... Je l'ai dit. On m'a trollé, hein, bien sûr. Quand je l'ai dit, on m'a dit « Ce n'est pas possible. » Mais je mets ma pièce sur Virtus Pro, vous avez bien entendu. Soit je suis un génie, soit je suis le pire prédicteur au monde. En tout cas, je mets ma pièce sur les VP. Ah, c'est la tête... que les gens sont en train de mettre sur le chat, en fait, tout simplement. Voilà ce que c'est un kappa. C'est l'emote d'une personne, un ancien développeur de chez Twitch. Donc voilà un petit peu pour ma prédiction du Major. Généralement, voilà, quand je dis VP, les gens me disent que je suis fou. De toute façon, la folie est généralement proche du génie. C'est ce qu'on dit. Comment? Oui, la technique, on dit, mais pas avec tout le monde. Ça marche pas avec tout le monde, la folie et le génie. Les VP sont moyens en ce moment. Bah, c'est pour ça que je les mets gagnants, tout simplement. C'est parce que, pour moi, après, c'est... Voilà, je pense qu'ils vont aller en finale. Après, je suis pas gagnant. Je vais pas trop m'avancer encore, mais... En fait, je me dis, VP, ils font n'importe quoi en ce moment pour qu'on les attende pas à ce Major, qu'on se dise VP, bof. Puis finalement, ils rouleraient sur tout le monde avec des strats qu'ils n'auraient jamais montré. C'est un coup de poker, hein. C'est un coup de poker. Après, c'est... Là, c'est... Comme je dis, hein, c'est de la réflexion derrière. Je pense que je serais parti trop loin sur ce coup-là. Je me serais loupé totalement. JW ou Kenny S? Alors si j'ai le choix que entre les deux joueurs, bien sûr je mettrai JW parce que il arrive en ce moment à faire un petit peu plus de plays. Quand je dis bien de plays, c'est-à-dire des fois des 1v3 ou des 1v4 ou bien des ace à AWP, ce que Kenny a moins de lucidité à faire en ce moment. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, de réussite plus que de lucidité en ce moment. Mais dès que Kenny S sera en mode on fire, et bah mon cœur rebattra pour lui. Et la pause a été annulée, on va pouvoir repartir tout simplement. Et on est reparti dans le match avec un Markelov, avec un Kevlar casque et P250, et de l'autre côté un Flusha.
Au CZ Auto Killer Cask, ouais, du stuff quand même. Oh, attention, cette nade. Oh là là, elle picote, cette nade. Et on a déjà bon, un bon petit doublé là de fait de la part de Denis. Attention, Blade qui s'est infiltré. Blade. Ouh là là, Blade il s'est magnifiquement infiltré au niveau de cette vodka. Il va se faire revenge par Denis. Infiltration réussite, mais voilà, c'est le ace. C'est le ace de Denis. Je veux des spams de ace dans le chat là. Ace, enfin, vous savez très bien le faire mieux que moi à la parole. Bah, vous savez bien le faire à l'écrit parce que. On vous venait d'insister au ace de Denis et à l'intelligence d'Olofmeister qui va sortir directement un MP9 pour s'en mettre plein les poches sur ce round économique des Flipside qui sont en setup full P250 sans Kevlar, sans rien. C'est de l'écho sèche pour les joueurs ukrainiens de Flipside. Attention, Denis qui va directement s'infiltrer dans ce mid. Il va récupérer un bon kill. Par contre, il a mis Chara et Bondic. 6 et 23 HP. Olofmeister qui a soif. 200 qui va directement aller pusher World Elite, c'est 600$. Denis encore une fois pour un bon petit kill. Denis et Flusha. Et Denis qui va se prendre la grosse tête. Olofmeister qui va revenge directement sur Bondic. Olofmeister 1200$ dans les poches. Ça fait plaisir. Pour le joueur Olofmeister qui se met plutôt bien économiquement, ça repart sur de l'achat côté. Flipside, et on va pouvoir drop à World Elite une AWP qui a été drop par Mark Love, tout simplement. Et on attend toujours. Et regardez ce qu'ils nous font les Fnatic. Grosse avancée banane. Olofmeister qui va mourir et il a pêché ses appartements. Très agressif dans la banane, les joueurs Fnatic sur ce round. Et attention, attention, parce que à être agressif banane à 3, bah ça a délaissé le bomb site A. Et vu le kill qui a été pris dans les appartements, la redirection se fait sentir hein, du côté Fnatic. Et ils sont maintenant 3 à couvrir ce BPA. Et il n'y a plus qu'un seul joueur dans la banane. Et attention, ça met beaucoup de pression sur ce BPA. Les smokes, les flashs ne se font pas attendre du côté Fnatic. Il me faut un petit peu peur là, Flusha. Dans cette smoke qui a failli être une belle crasse. Il ne passera pas finalement. Blade Chara, 74 HP. Je ne sais pas ce qu'ils font en fait là, les joueurs Flipside. Ils jouent la montre, ça c'est sûr. Mais maintenant. À dire, est-ce qu'ils vont finir en A, est-ce qu'ils vont finir en B? Je m'avancerai pas trop là-dessus, mais c'est déjà Blade qui va prendre un kill, il se fait revenge directement par JW, JW qui est en train de rediriger. Par contre, JW, il va pouvoir récupérer, pendant que la GoTV nous fait n'importe quoi, il va pouvoir récupérer peut-être un doublé. Markelov. Sur Denis, Chara, le bon kill, World Edit sur Denis, la revenge. Il ne reste plus que JW, c'est 15 petits HP. Voilà, excusez-moi. Et on va pouvoir repartir sur un round d'achat de part et d'autre. Regardez, JW qui va pouvoir jouer la WP du côté Fnatic et World Edit de son côté. Côté Flipside, c'est un 4-4. Round très important, un hein, round d'ascendant de part et d'autre. Je rappelle, Inferno Inmap, un tantinet City-Sided. Un tantinet un tout petit peu. C'est vrai que, par exemple, le City-Side des NIP sur cette map est plutôt impressionnant. On a pas mal d'équipes actuellement. Qui ont beaucoup de talent sur leur site CT. Mais Fnatic, là, pour l'instant, ils ne nous montrent pas quelque chose de très intéressant. Ouh, la nade sur Chara qui va le mettre à 47 HP. Par contre, j'ai pas compris. Ok. NBK qui s'est connecté au serveur. Très bien.
Oui, c'est un fake, hein, bien sûr. JW, attention, bad timing. Attention, bad timing à lui. Pour l'instant, c'est du contrôle banane, hein, qui est fait par les joueurs Flipside. Regardez cette banane qui est prise. Et ça va terminer en B. La bombe qui arrive. Il va falloir être solide côté Fnatic. Par contre, on est percutant. Côté Flipside, Chara et Blade qui vont récupérer deux bons kills. C'est une excellente situation pour les joueurs Flipside. Ils n'ont perdu personne sur cette prise de BP magistralement effectuée. Et pour l'instant, les joueurs Fnatic qui vont pas la jouer. Attention, Flusha, directement sur Bondic. C'est une situation de 4 contre 3. T'as un save un petit peu. Enfin. Voilà, ils auraient pu la tenter. Après, ils ont pas la confiance, sûrement. Donc, ils vont pas la tenter. Il faut qu'ils save 3 armes. Est-ce qu'ils vont pouvoir racheter? Normalement, ça risque d'être compliqué au niveau du rachat. Un peu force, ça peut donner un petit FAMAS à Olof. Krims, il peut se faire drop ou il peut acheter un pistol. Enfin, je sais pas trop comment ils vont se débrouiller, mais en tout cas, ça va réussir un petit peu à se drop, normalement. La JW qui peut drop quelque chose. Pareil pour Lucha. Et non, c'est Olof qui va nous sortir le max 7 des familles. Et Fluchak qui finalement va pouvoir partir il préfère jouer au CZ auto et privilégier le stuff, le Kevlar casque, le Kevlar, Kevlar casque et le Kevlar non, et le diffuseur, pardon. JW, peut-être face à Blade. Attention, peut-être un kill qui peut être pris par les joueurs Flipside assez facilement sur ce round. Et c'est déjà Ward Edit qui va coller la tête à JW dans cette banane. Premier entry frag fait par Ward Edit. Ça peut être un bon petit significateur. On a beaucoup de mal côté Fnatic pour l'instant. Et attention, attention, parce que il nous reste 50 secondes à la montre. Ça tempo encore une fois côté Flipside. À mon avis, à mon humble avis, voilà, je vais pas trop m'avancer encore une fois. Ça risque de terminer peut-être en B ou en A. On ne sait pas trop en fait. C'est des grosses tempos. Ça a pris le contrôle de la banane. Ça a pris un entry en B. Donc logiquement, c'est censé se terminer en B. Mais finalement, les joueurs Flipside ils préfèrent jouer la strat de A. Ça va rediriger en B. Donc potentiellement, il faut qu'on aille en A. Mais voilà, Flusha, la très belle mollo, le doublé. Il a pas d'arme, Flusha. Finalement, il prend un doublé, CZ auto. Il a récupéré une arme, mais il va tomber. La revenge de Bondic. Denis, sur ce BP. Sur Bondic. Denis, solide, là, qui prend les bons kills. Olof Meister va tomber sous les balles de Markelov. Ou, par contre, Denis, c'est complètement loupé, mais il va arracher la tête de Markelov sur ce BP. La bombe n'a pas été plantée. Et du coup, économiquement, normalement, ça force, hein, là-dessus. Très clairement. Enfin, quand je dis sa force, hein, ça va être full armé. À part Markelov qui va devoir la jouer au CZ. Au CZ. Il n'a pas du tout le CZ au Tech9, pardon. Et du coup, je pense que il risque d'avoir un beau duel là au mid. Et c'est pris par JW. Pour l'instant, c'est du 2-1 entre JW et du coup Ward Edit. Ward Edit a fait tomber JW deux fois. C'est la première fois que JW fait tomber Ward Edit sur Inferno, hein, je précise. Overpass, c'était plus ascendant. Pareil, Ward Edit en fait. c'était pareil en fait. Ward Edit qui gagnait un petit peu plus ses duels au sniper que Olof. Je le rappelle qu'il l'a joué, non pas JW, comme sur Inferno. Sur JW à la décale. Et c'est encore une fois JW qui s'impose. Markelov qui avait récupéré cette AWP sur le cadavre de Ward Edit et qui va tomber. Est-ce que Blade va encore la récupérer? Ouais, cette fois-ci, il y a une mollo, hein, pour bloquer un petit peu tout ça.
Et attention. Denis. Denis. Oh là là, Denis, le double headshot. Et JW qui nous met un petit noscope là, histoire de clôturer le round en beauté. En beauté. Et les joueurs flipside se retrouvent en écho. Je call le 7-5. Voilà, un caster qui se mouille pas trop sur ses pronostics. Quand c'est un round d'écho, il call le 7-5. C'est fou. Et la nade qui va mettre Blade à 45 HP. Bien joué là de la part des Fnatic, cette petite nade. Attention parce que ça va partir directement dans le T pour les joueurs flipside. Flusha, JW, JW le doublé, JW qui va tomber, Flusha qui va encore prendre un kill. Flusha qui sort son CZ pardon, et qui va gagner encore une fois un duel. Flusha, 3 kills. JW en fait 2, il perd son arme. Elle va être récupérée et drop directement dans la foulée. Et attention, les joueurs flipside sont sur un round d'achat, mais à ne pas perdre pour les joueurs de la line-up ukrainienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'ils perdent ce round, ils se retrouveront en écho. Il y aurait 8-5, potentiellement 9-5. Ah voilà, c'est pas un round à perdre pour les joueurs ukrainiens. Ils ne veulent pas commencer à perdre l'avantage. Enfin, perdre l'avantage qu'ils n'ont pas, bien sûr, mais à commencer à avoir un avantage, pourquoi pas. Attention, Denis, ça s'est infiltré dans cette vodka, c'est déjà Denis qui va prendre le double kill sur Shara et Blade. Ils ont laissé s'infiltrer dans cette vodka pour mieux les stopper. Markelov, oh là là, encore une fois Denis et Flusha qui prend son kill sur Bondic. Il ne reste plus que World Elite, tout seul, World Elite qui va tomber au niveau de ce middle, sous les balles de Olofmeister qui était bien placé dans cette vodka. Bonne ligne, bien cassée. Avantage au joueur qui décale plutôt qu'au joueur qui a déjà la ligne. Et du coup, comme je l'ai prévu, ça se retrouve en écho côté flipside. Et du coup, ça risque de facilement partir en 9-5. Et du coup, l'écho est forcé, hein, tout simplement. Parce que après, c'est le dernier round du premier side. Donc, ils veulent à tout prix sécure le dernier round du premier side. Et pour le sécure, il faut des armes. Et c'est déjà Bondi qui va décaler. Alors, One Dick sur JW qui fait plaisir. Dans les appartements, Samolo, tout ça. Denis va devoir être solide, Denis. Des joueurs Fnatic, là. Denis qui se fait directement décaler par Bondi, qui a récupéré la WP de JW. Denis qui du coup, va concéder un petit peu cette situation. Crims dans cette smoke. Ouh, le travers smoke headshot qui fait plaisir. La petite crasse sur Blade. Pas passer loin du doublé travers smoke la Crims sur ce coup là. Mais du coup le rune il se passe plutôt bien finalement pour les flipside. C'était une écho je le rappelle et Shara qui va prendre le kill sur Olofmeister. Ça pue l'écho fist hein. Ça pue l'écho fist pour les joueurs flipside qui se retrouvent en 3v2. Il y a des armes. Une M4A4, une AK, une AWP face à une M4 et une AK. Un très bel avantage. Flipside sur ce round d'écho. Et en plus de sa World Elite, décale Flusha, Crimzy est contraint de save. Normalement. Comment qu'il la joue. Et ça sent l'écho fist. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, je pense, préparer, en un miracle, hein, bien sûr, préparer votre message écho fist dans le chat. Et voilà, c'est fait par World Elite. Et c'est l'écho fist des joueurs Flipside. Sur ce 14e round, on part directement pour le 15e et dernier round de ce premier side. Setup double AWP sorti par JW Olofmeister. World Elite qui va devoir être solide. Assurer l'entry pour le joueur des flipside. Le nez qui commence un petit peu à se boucher. Mais attention, ça part un petit peu dans ses appartements. Commence à prendre. Côté flipside, ça commence. Bon, c'est un petit peu tard, mais voilà, ça prend ses aises en terreau. Ça commence à prendre un petit peu plus le contrôle de ses appartements. Je trouve que ça a pas beaucoup privilégié la banane par rapport à d'autres équipes. Côté flipside, tout à leur honneur, bien sûr. Bondic qui va tomber à 54 HP, mais il fera tomber JW, pas de revenge.
rien n'est fait pour les joueurs Fnatic. Le round qui peut-être va s'emballer pour les joueurs Flipside. En tout cas, c'est bien parti pour... Ah, finalement, ils repartent sur un contrôle. Très bien. Avantage numérique contrôle map par A plus B. Ça repart dans cette banane pour Blade et Markelov. Ils veulent encore une fois aller chercher peut-être quelque chose. Double molo dans cette vœu de cul. Olof qui décale dans une molo. Sérieux. Wardedic qui va le faire tomber. Du coup, ça balance beaucoup de stuff en B. Mais c'est du fake, hein, bien sûr. C'est une fake. Et du coup, on a Denis qui va devoir être solide sur ce BP. Il va se louper. En plus, ça est complètement blanc. Il va tomber sous les balles de Markelov. Attention. Parce qu'on veut on veut jouer sans s'attendre pour les joueurs Fnatic. Ça ne paye pas. Blade qui va tomber. Rims tout seul en 1v3. Clutcher Dreamer. Crims. On l'attend hein, toujours. La bombe qui commence à s'emballer au niveau du timing. Le stuff, les derniers stuff flipside qui sont envoyés. Crims tout seul, il se fait voir au niveau de cette biblio. Il récupère une AWP. 1v3 à jouer. Il est déjà très low HP et c'est pris par Bandic. 9 à 6. 8 à 7, pardon. Pas du tout de Clutcher Dreamer. Excusez-moi. On n'a plus qu'à attendre les quelques secondes avant le deuxième GR ou le quatrième, comme vous voulez. Parce que je tiens à préciser que voilà, les ESL Pro League, c'est un match retour pour se remettre les choses en place. Hein. Parce que je voyais qu'il y avait encore des gens qui étaient un petit peu perdus. Alors c'est 2-1. Comme, allez, 2-1 pour remettre dans le truc, vous gagnez 3 points quand vous gagnez un match. Quand vous perdez, vous ne gagnez pas de points. Du coup, ce qui permet aux deux équipes de gagner des points lors d'une soirée. C'est intéressant, en soi. Et du coup, bah, imaginons que les équipes jouent un seul BO3, bah, il n'y aurait qu'une seule équipe gagnante, alors que là, il peut avoir deux équipes gagnantes, ce qui offre beaucoup plus de possibilités. Et voilà pourquoi les équipes, il y a un match aller, un match retour. Pourquoi les ESL Pro League se jouent sur deux maps. Et non pas sur un BO2, mais bien deux BO1, distincts. Bon, parfois je me dis vraiment que j'évite de regarder ce que vous dites parce que ça me fait peur parfois. Et on attend tout simplement le ready là finalement des joueurs pour pouvoir partir pour le GR, simplement deuxième GR. Bon, allez les gars, c'est fini la discussion. C'est clair, hein, à mon avis, ça discute côté Fnatic, ça strat des choses, ça strat call. Ça parle. Pourquoi tu te sens visé, Max? Je regarde un petit peu ce qui se dit dans le chat, du coup, en attendant le ready. Et ça y est, on est reparti. On est reparti tout simplement pour le gun round de ce second side sur Inferno. Et attention parce que Fnatic, ils ont un side terreau qui parfois fait pâlir d'envie au niveau de l'agressivité dans cette banane. C'est souvent les Fnatic au GR, ils push banane, ça se termine en B pour eux. A voir s'ils nous refont la même strat. S'ils prennent un open, vous allez voir, hein, s'ils prennent un open dans cette banane, ça va envoyer direct. Il n'y aura pas de non-retour. Hein. C'est open et à mon avis, ils le prévoient un petit peu les flipsides. C'est pour ça qu'ils se prennent vraiment une position très agressive au niveau de cette carte. Et c'est déjà Shara qui va faire tomber le chat. Et du coup, forcément, ça bloque les Fnatic sur leur strat de GR sur Inferno qui vont repartir directement. Prendre le... pardon. Prendre le contrôle du T. Et
Et c'est déjà encore une fois Bondy qui va faire le bon kill. On est passé au niveau de cette voiture. Par contre, on est encore bien sur ce BP. Oh, mais pourquoi il a pas cut? Pourquoi il a pas cut Markelov? Oh, c'est dommage. Il y avait une excellente position de cut, là. Oula, je... Pour l'instant, on est très très loin HP. Krims, va prendre ton kill. Attention, Shara. Il ne reste plus que Krims en 1v3. That turn. Oh, le tapis de souris. Il doit être d'une sacrée taille pour le joueur Krims. Qui finalement va tomber, hein. Ça a été compliqué pour lui. Bondy qui fait 2 kills. Et là, bon, qui diffuse. Et les flipside tactiques qui vont prendre l'avantage. À eux d'emballer le match, hein. De créer la surprise ce soir, tout simplement. Et attention, on a choisi le choix des 3 UMP 45. Alors que côté Fnatic, on n'est pas sur du force buy. On a choisi l'option du non force buy Tero, c'est-à-dire qu'on n'assistera pas au grand classique des Fnatic, c'est-à-dire du rush Tech 9, mais bien à une écho sèche. Attention, Denis qui va scotcher World Elite au mur. La bombe qui est récupérée. On n'a pas pris le contrôle de Ste, la GoTV en PLS. Hop, on va reprendre le contrôle manuel. Ah, rien n'est fait encore sur ce round. Attention, Krims face à Bondic. Bondic qui va monter un petit peu sur ce camion. Attention, qui va peut-être être à la décale face à Krims. Mais en tout cas, ça se joue à pas grand-chose. Krims qui garde la ligne. Et si Krims décale, genre, c'est fini, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Krims décale, c'est fini parce que Bondic a la ligne. Et bah, Bondic, il lui a mis un gros HS. Prise, vote-tu? Non. Faite par Fnatic, JW qui va prendre le bon kill. Denis sur Bondic, les Juan de Denis, deuxième kill pour lui. Attention, encore une fois. Oh là là, Denis, il est chaud ce soir au niveau de ses Juan Dig. C'est que des Juan Dig qu'il nous met ce soir. Ouais, faut faire l'accent un petit peu mexicain. Le chat. Et Denis qui a pu récupérer cette M4A1S, Denis. Je sais pas vous, mais ça pue l'écofiste, hein. Là, ça sointe. Plejac qui va tomber. Shara et Markelov. Deuxième MP45 face à M4A1S. Et il va concéder le frag, hein, Denis. La bombe qui s'emballe, mais voilà, on a un diffuseur, on a un kit. Et du coup, bah, Flapside qui est pas passé loin de se prendre une écofist. Les joueurs Fnatic vont pouvoir acheter directement beaucoup d'argent, hein. Du coup, ont été accumulés grâce à cette bombe plant. Ils vont pouvoir acheter un setup full AK avec plein de stuff. Des smokes, des flashs, des molos à gogo. Kevlar casque, bien sûr, pour accompagner tout ça. Et le contrôle de la banane n'est pas encore enclenché. Attention, World Edit qui va se louper sur ce coup-là. Pas passer loin pour World Edit de mourir. En plus de ça, il loupe son shot à la WP. Et ce middle qui commence à être pris un petit peu par les Fnatic. On a un joueur banane en position agressive. Le reste est dans les appartements de joueurs middle. Pour moi, ça terminerait peut-être en A cette histoire. Avec une fake en B. En tout cas, c'est du déjà vu. Et attention, ça prend le contrôle du T. On a déjà Blade qui va faire tomber JW. JW, d'ailleurs, c'est Olof qui va aller chercher la revenge tardive. Et on est low HP pour Olof. Et World Elite, ils vont avoir du travail, hein, sur ce mid. Par contre, regardez ce qu'il est en train de nous faire là. C'est qui dans la banane là qui est en train de push, qui est en train de faire un petit taf. Et bah finalement ça va terminer en B cette histoire.
et Chara et Markelov qui vont devoir être solides. Ouh, belle flash là de Markelov. Qui va passer au niveau de cette ruine, il va se positionner au niveau de ses bobines. Chara qui va tomber sur ce BP, Markelov, Markelov. Premier kill, Markelov. Les travers smoke. Oh là là, Olof. Oh non. Oh, c'est moche. Olof Meister qui met le TK à Flucha. Le chat. Le pauvre. Il sera privé de situation de bombe plant pour lui. Avec une retech potentielle des joueurs Flipside. D'ailleurs, World Edit face à Olof. Et c'est pris par World Edit. C'était d'ailleurs Olof Meister. Voilà, pour la petite anecdote. C'était bien fait TK par Crims. En gros, c'est une petite kill indienne de TK. Et c'est du coup les joueurs Flipside qui vont gagner le round. Encore une fois, une position, une retake réussite pour les joueurs Flipside, World Edit, Bandic. Cette fois-ci, un autre duo que précédemment. Chara, Markelov. Mais ça passe, tout simplement. Et normalement, ça part en écho, enfin, en écho, mais finalement, côté Fnatic, ça part sur un équilibrage money. Je pense qu'on va avoir peut-être l'occasion de voir un rush Fnatic quelque part. Et non. Fnatic préfère prendre un contrôle map. Bon. En plus de ça, on l'a senti, l'écho Markelov qui nous sort une UMP45. C'est déjà World Edit sur JW, attention, Bandic, Crims qui va sauter là au niveau de ce pit. Et c'est Flucha qui va finir Bandic. Il y a une situation de 3v3 très intéressante pour les joueurs Fnatic à prendre là-dessus. C'est peut-être un équilibrage money qui passerait du coup pour les joueurs Fnatic. Attention, Markelov sur Crims. Du 3v2, il reste plus que Flucha. Et Olof Meister, attention Flucha. Non, c'est Olof, pardon, tout autant pour moi. Flucha, il est encore dans les appartements, mais c'est Olof qui va tomber. Flucha, il est en 1v3. Par contre, tout le monde sait où est-ce qu'il est. En plus de ça, on joue un petit peu avec lui. Il se fait smoke, double smoke. Oh là là, il a le travers smoke de Chara. Crase dans cette smoke qui fait plaisir aux yeux. Et la bombe, encore une fois, qui est diffuse. On réussit à planter, mais on réussit pas à tenir le BP. Pour les joueurs Fnatic, un peu de mal. Et les Flipside qui commencent à prendre un petit peu l'avantage. JW qui va sortir une AWP sans stuff, hein, bien sûr. Juste avec un Kevlar Cast. 5750$ tout simplement. Alors que du côté Flipside, on est plutôt bien économiquement. On commence à instaurer un petit peu de l'économie. Bientôt, on va pouvoir enchaîner deux rounds. Même si on le perd. Pour racheter directement dans la foulée. Attention, le contrôle banane. Faut dire aussi qu'ils mettent pas vraiment, plus vraiment de pression en B, les joueurs, j'ai l'impression. Flipside sur son T-side mettait pas vraiment de pression en B. Pareil pour Fnatic actuellement. C'est un petit peu particulier comme jeu. D'habitude, on a plus tendance à voir les terreaux. Essayer d'aller chercher un entry dans la banane, essayer d'aller push cette banane. On voyait même des prises de contrôle appartement qui terminaient en CPL en B. Et là, on a un tout nouveau, un petit peu un nouveau style de jeu qui me convainc pas forcément. On est beaucoup plus sur de l'énorme temporisation au niveau de ce mid et de ces appartements pour une prise du contrôle du T qui est faite assez lentement. Et voir Dedic qui va déjà faire tomber Olof Meister. Une strat que je trouve payante pour l'instant. Et c'est déjà Markelov sur Denis. Attention, attention, on essaye de forcer ce T-spawn, ce city spawn. Markelov qui va faire tomber. Qui va tomber, pardon. C'est du 3 contre 3. Il reste plus que un seul joueur au niveau de ce BP. B. Et attention, on prend déjà la redirection là pour JW. Le chat, JW bien placé. JW, il va se faire mollo. Boum! Et JW, ça passe sur Bandic dans cette mollo. Dommage. C'est dommage. Bandic, il a tenté quelque chose. Et JW, il a pas tremblé. Il est resté dans cette mollo. Il a attendu la décale. Et du coup, 9 à 11.
Fnatic qui repart sur un achat. Mais par contre, voilà, vous voyez côté Flipside, on joue l'écho. On joue l'écho. Alors qu'ils ont 3 000 $, 3 500. Ça joue pas le force. De toute façon, ils ont encore 2 rounds d'avance. Et Bondic face à Olof. C'est Olof qui va faire tomber Bondic au niveau de ses appartements. Peut-être un petit contrôle encore une fois. Hein. On va dire que on ne change pas une équipe qui gagne. Et non, Flechat qui essaye d'un petit peu emballer le jeu dans cette banane. Pour l'instant, on s'infiltre. Et c'est bien parce que c'est un round qui est joué pas dans les dernières secondes. Ça nous change. Denis, JW, qui prennent les bons kills. Il reste plus que World Edit et Shara. Et attention, World Edit qui va prendre un bon petit kill là. Il va se faire avoir par le one tap pré-shot. Ok, pourquoi il TK là? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'idée de la part de Olof Meister qui TK Crims? Ok. Pas compris le délire. Et il ne reste plus que Shara qui va sûrement aller chercher les exits. Hein. Il tentera rien à mon avis. Mis à part attendre peut-être une avancée dans ses appartements et prendre un exit gratuit. Voilà, on a donné l'info. Et je pense que si Fnatic ils repèrent un rune, ça va call une Fnatic strat pause. Voilà, c'est mon petit pronostic des pauses. Je pense, voilà, c'est un avis. Après, il sera intelligent de le faire. Hein. S'ils perdent un prochain round. Après, un Eddy. On repart sur un round d'achat de part et d'autre. World Edit, JW au duel. Chacun, l'un et l'autre, ont une AWP. Pourquoi pas un petit duel. Je le rappelle, pour l'instant, au niveau des duels JW, World Edit, on en est à 2-1 entre les deux snipers. De part et d'autre. Pas eu beaucoup de duels finalement. Sur 22 rounds, enfin 21 précisément, 22e est en train de se passer. Bien, nous avons eu que 3 duels entre les deux joueurs, ce qui est plutôt léger entre guillemets. On a tendance à avoir plus de duels de snipers, surtout sur Inferno où le mid est généralement le lieu de référence pour ces duels. C'est déjà Markelov qui fait les frais de ces petits travers là. Markelov qui va tomber à 36 HP. Attention, JW qui prend une information. Et pour une fois, respiration, ça va aller en B. Mais de façon conventionnelle, c'est-à-dire l'ancienne, bonne vieille CPL, je pense. Ça se booste par contre. Olof Meister pour une fake en A. Prise du contrôle du T. Il vient de mettre une smoke vote, il y a une smoke vote U. Ça va balancer le stuff en B et ça va rentrer. À mon avis, c'est JW hein, qui va s'infiltrer en premier pour aller chercher bon premier frag. L'entry à l'ancienne. Et attention parce que World Edit est déjà là. À mon avis, on s'y attend pas forcément à ce que Markelov soit positionné. Cette position et Markelov qui va tomber. Par contre, le rune qui s'emballe pour les flipside. World Edit très bien positionné qui va pouvoir enchaîner. Il ne reste plus que Denis. Heureusement que Denis il a planté la bombe. Allez, une petite Pokéball. Oula, c'est pas passé loin. Cette nade. Denis 6 HP. Clutcher Dreamer va se louper sur Bondic. Et du coup, les flipside qui vont chercher le 12 à 10. Ayant perdu ce round, je pense que Fnatic va coller une petite pause tactique. Ah, c'était, j'avais dit, hein, s'ils perdent un round, il y a la pause derrière. Eh ben non, je me suis planté. Ça arrive. La bonne vieille expression, ça arrive même au meilleur. Attention, setup 4, on est en full setup armé de part et d'autre. Et peut-être un duel au mid. World Edit qui va s'approcher. Attention, parce que JW a déjà la ligne.
peut-être le 2 partout. Pas du tout. Pas du tout. Finalement, ça s'approche pas, ça se jauge pas. Et ça part sur du contrôle map de part et d'autre. Rien n'est fait encore. Rien n'est fait. Le match ne s'emballe pas. Hein. De toute façon, ils n'ont pas besoin de part et d'autre d'emballer le match. C'est sympa un match qui s'emballe à caster. Attention par contre, bandit duel. World Edit, il est complètement blanc. Il va tenter le pré-shot. Il se remet et il se refait faire les blancheurs, les mailles diamants. Mais il se refait faire mettre blanc. Attention Bandic. Bandic qui est monté là au niveau de ce trou. Il va pouvoir prendre le bon kill sur Lofmeister. Le rune qui s'emballe un petit peu dans les 45 dernières secondes. Krims sur Blade. Denis, Markelov sur Flucha. Attention pour l'instant. On a encore Denis en train de travailler SBP qui prend encore une fois deux bons kills sur un round. C'est du 2v2. Denis, il n'a perdu aucun HP. Oula, Markelov qui tente quelques petits travers, mais voilà, Markelov il va tomber à 3 HP. C'est tellement tendu comme rune. Et c'est Shara qui va décaler Denis. Par contre, on a l'information sur JW qui va se faire directement. Par Markelov. Et du coup, encore une fois, Pixide qui va chercher un rune. Les Fnatic qui se retrouvent dans leur dernier retranchement. Ça continue à y croire hein, pour le. Là, ça commence un petit peu à croire dans le chat. Au comeback des Fnatic. Il est vrai que Fnatic, on les a déjà vus revenir de loin, mais là, ils se font mettre en difficulté sur Overpass. Ils se refont mettre en difficulté sur Inferno. Ça pique un petit peu quand même. Après, c'est vrai qu'on a tendance à dire les joueurs ne jouent pas au maximum de leur capacité. Enfin. Au niveau teamplay, hein, bien sûr, alors, ils ne veulent pas montrer aux autres équipes des strats qu'ils auraient pu travailler en amont pour le gros tournoi qui arrive. $1 million. Attention, c'est une prise vodka auquel vous êtes en train d'assister avec du 1 pour 1. Attention, Blade, c'est que du 1 pour 1 de part et d'autre. Et Blade et Bondi qui auront fait des bons kills. Bon, Bondi qui sera tombé sans rien faire sur ce round. Shara qui arrive au niveau de ce T. Et Markelov qui est passé votre cul, il va passer Biblio, il est dans la Biblio. Attention dans cette smoke. Oh là 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 là. Ça met des crasses de part et d'autre. Mais en tout cas, Markelov il a tombé à 14 HP. Et ça va save pour les joueurs Deepside. Du coup, bon petit round demi côté Fnatic. Mais voilà, côté Flipside, on n'a pas vraiment d'économie. On devrait partir sur une écho. Hein, les deux joueurs, Shara et Markelov, qui ont réussi à save, ne vont pas drop, ça c'est sûr. Et on est sur un setup full rifle, hein, côté Fnatic. Faudrait emballer le match côté Fnatic, parce que c'est aussi le côté... Fnatic, c'est une équipe qui a tendance aussi de par temps en temps un petit peu emballer les matchs, et ça marche très bien, ça leur correspond un petit peu. Oh là là là, Markelov qui récupère un doublé gratuitement. Nous en tombons Krims et Denis. Avec cette M4-1S qu'il avait réussi à save. JW qui va commencer à s'infiltrer dans ce mid, dans ce T plus précisément. Bon, il prend le bon kill. JW, bon flick shot de sa part. Petit coup de souris qui fait plaisir. Sur World Edit. Oh, attention, JW vient de se prendre un POC. Il n'y aura plus que 14 HP. Shara qui arrive. Shara a une arme. Hein. Faut se méfier, Shara a une arme. Blade non, mais Shara oui. Oh attention, Flusha. On le sait, ça va s'avancer sur Flusha. Flusha qui va peut-être aller chercher une petite décale sur Shara. À mon avis, Shara il va aller. Il va avoir un petit peu du mal, je pense, sur la décale de Flusha. On a encore une flash, hein. Et Shara qui va la perdre cette flash. Flusha, c'était sûr. Et JW sur Blade, c'était sûr. Que Flusha allait chercher quelque chose. Dommage, c'est avancé un petit peu bêtement. En plus de ça, il avait une petite flash. Il aurait pu pop flash, pourquoi pas le joueur. Mais voilà, 13 à 12
plus qu'un seul round de différence entre les deux équipes. Et on est sur un setup full rifle de part et d'autre. Juste Blade avec son petit FAMAS là. Toi disons un petit peu plus fragile, mais bon, c'est pas foufou. Au moins, il a un Kevlar casque par rapport à ses mates. Même si ça sert à rien face à une AK-47, et c'est déjà JW sur Blade. Pour l'untry frag pour les joueurs Fnatic dans cette smoke. Et c'est les Fnatic qui commencent à emballer le jeu. Vous voyez, ça c'est ce qui nous manquait un petit peu. L'emballage du jeu, le fait que dans les derniers rounds, vous voyez, Fnatic, ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus rapides sur leur prise de BP. Et surtout, ça marche. Ils se retrouvent en 3v2. Et en plus de ça, les deux joueurs, Chara et Merkelov, vont encore save. Hein. C'est la deuxième fois. Ils vont save. Fnatic qui du coup va aller chercher le 13-13, mais d'un autre côté, les Flipside, économiquement, encore une fois, c'est pas fou. Il va avoir que Chara et Merkelov avec les deux M4, sinon bah tous les mates, ils n'auront pas d'armes tout simplement, ils vont devoir éco sec, ce qui fait que les Fnatic pourront prendre l'avantage sur ce round. Bah, voilà, attention à ne pas se donner bêtement sur les deux joueurs armés, Chara et Merkelov, à mon avis. Ils vont mettre Merkelov au contrôle mid. Et Chara va jouer le BPB armé. C'est bien ce que je pensais. Une strat à 4. Ouais. Ok. Ils voulaient prendre une strat à 4. Puis finalement, se sont retournés. Et non, ils vont prendre bien le BP à 4. On s'attend vraiment. On joue le coup de poker des Flipside sur ce BPA. Attention parce que Ward Edit, il a une belle position au-dessus de cette smoke, il va pouvoir voir les joueurs. Voilà Krims qui s'y attend. Et c'est Travers Smoke. Attention Krims. Bondic sur ce BP. Attention, il se balade un petit peu vers ce camion pit là. C'est une situation de 4v5. On a pris un entry pour les joueurs. Fnatic. Est-ce qu'ils vont garder ce contrôle du T et se contenter d'aller pousser en A ou alors une redirection en B? Il n'y a qu'un seul joueur qui va être peut-être rejoint. Attention parce qu'on est passé au niveau de cette vote Q sale et ça y est, ça envoie pour les joueurs Fnatic la vote Q qui est prise. Par contre, on s'est fait entendre grâce au bruit de tir. Merci Denis. Et ça passe sur le BP Merkelov qui va prendre le premier kill. Bondic sur Olofmeister. Krims. Encore une fois Krims. Oh là là, Krims, 3 kills déjà pour lui. JW sur Blade. Il ne reste plus que Chara. Tout seul en situation de 1v3. Le comeback Fnatic. Ils viennent d'enchaîner tout simplement 3 rounds. Très important. Le quatrième qui ne va pas tarder, bien sûr. En plus de ça, Flusha, il a pris l'information sur Blade. Sur Chara, pardon. Et c'est Chara qui va gagner son duel face à Flusha. On s'y attendait pas forcément. Maintenant, il y a Krims qui veut aller finir le boulot. Et niveau économie, cette fois-ci, on va pouvoir bien acheter pour les joueurs Flipside. Et on part pour un round d'achat. Pour l'instant, rien n'est fait. Hein. Rien n'est fait parce que ce round, c'est un petit peu le round de la victoire hein, pour les Fnatic, je le rappelle. Parce que derrière, ça se retrouverait en écho force buy. Enfin, un force buy dégueulasse pour les joueurs Flipside. Donc, si Fnatic met ce round, clairement, on peut déjà call les GG. À moins d'un petit miracle des joueurs Flipside. Merkelov qui va se flash Chara. Le round le plus important de la partie va arriver dans quelques secondes. C'est du contrôle. Attention parce que Fnatic n'emballe pas, d'habitude n'emballe pas le jeu sur les rounds les plus importants, ils jouent le contrôle. C'est déjà Merkelov qui voulait, qui a bien été solide sur sa ligne. Krims qui voulait aller chercher un entry, ça ne passera pas pour le joueur Fnatic. Mais vraiment sur un moment critique actuellement, Merkelov.
Markelov sur Flucha. Flucha qui est derrière cette smoke. Attends sur Flucha, elle traverse. Bon. Ça touche. Mais ça ne permet pas à Flucha de gagner un duel dans cette smoke. Attention, JW qui va s'avancer au niveau de ce T. JW, généralement, il est, c'est un joueur très important dans ses prises de T sur Inferno. JW. Attention, parce que là, je parle pas beaucoup, hein, parce que c'est très tendu, c'est une situation qui sointe l'arrêt cardiaque. Enfin, les montées de tension, tout simplement. Et c'est une prise vodka auquel vous êtes en train d'assister. Et c'est World Edit et Bondi qui sont complètement chauds. Il reste plus que World Edit encore une fois qui va gagner son bon duel. Et World Edit qui finit Flusha. Et ça passe pour les joueurs Flipside qui sauvent les meubles. Par contre, on a encore assez d'argent côté Fnatic. Et là, ça se retourne complètement. Parce que vous voyez, niveau économie, si Fnatic perd ce round, et bah finalement, ça se retourne dans le sens où c'est encore un round de GG, mais cette fois-ci, non pas pour Flipside, mais pour non pas pour Fnatic, mais pour Flipside. Retourner de situation de folie ce soir sur les ESL Pro League saison 3. C'est en train d'assister à de la macro game. On peut dire ça comme ça. Ça joue à poil de fesses. C'est encore un round de fou, quoi. Enfin, fou furieux. Je sais plus qui c'est qui disait 16-14 en plus dans le chat au tout début de la partie. Il y avait quelqu'un qui disait « Ah, je suis sûr et certain, ça va être 16-14 pour l'une des deux équipes. » Et bah, c'est un génie. Un 2-20. Et attention, parce qu'on est sur du contrôle map. Il reste une minute à jouer. Rien n'est fait sur le round, alors qu'il reste encore 50 secondes. Aucun entry frag de prix. Les joueurs Flipside jouent hyper pussy-like, très renfermés sur leur BP. Du coup, la prise du T va être plutôt facile à être faite par les joueurs Fnatic, mais par contre, l'entrée BP risque d'être un tantinet plus difficile. Et c'est déjà Krims qui va faire tomber Blade, Krims qui va tomber très low HP. Voilà qui est fait, Krims qui a avec 9 HP, JW qui va se faire un petit peu poke là sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'ils nous font? La bombe qui est en pleine redirection. Regardez la bombe qui est en train de repartir au niveau de cette banane. Attention parce que ça prend le contrôle du city spawn. Denis, Shara qui fait tomber Flusha. Shara qui va tomber, Kill Revenge. C'est une situation de 3v2. Les deux joueurs qui sont en train de se diriger vers la banane pour voir Edit et Bondic. Le rune qui s'emballe totalement, il reste que 10 secondes à jouer. Oh là 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 là, c'est chaud. Chaud, bouillant, ce qui est en train de se passer. Situation de 2v3. J'ai les yeux, vous le voyez pas, mais je pense que si je me regarde dans un miroir, là, j'ai les yeux qui pétillent, parce que c'est une situation tellement beau à caster, ça, comme genre de situation. La bombe qui commence à s'emballer. Les joueurs qui rentrent sur le BP. Mais voilà, c'est déjà World Edit qui va tomber sous les balles de Wolfmaster. Il reste plus que Bondic tout seul. Oh là là, c'est bien dommage pour les Flipside. Et c'est le round de draw mis par Fnatic. Draw incoming peut-être. On est sur un round d'achat plus ou moins force buy. Round d'achat plus ou moins force buy des Flipside. Attention, on n'est jamais à l'abri d'une surprise et d'un overtime. Surtout que d'un autre côté. Voilà, c'est Blade. Le Max 7, il pourrait jouer contact dans les appartements et créer la surprise encore une fois. Déjà que les Flipside nous créent la surprise ce soir, un truc de fou. Avec la première map où ils réussissent à mettre 13 rounds et là ils en mettent 14 pour un potentiel overtime. Attention. Olofmeister. 28 HP, il a déjà pris la foudre là sur le round. Ça se joue vraiment à pas grand chose pour Olof. Et là, qui va récupérer la bombe, Olof. Rien n'est fait. La bombe qui. On a un joueur quand même, Fnatic, qui va se rediriger dans cette banane. Et voilà, ça c'est compliqué. Rien n'est fait. Mais voilà, JW qui va libérer un petit peu les tensions des Fnatic en prenant ce premier kill.
dans ce thé, la prise du thé qui est faite ou pas. C'est-à-dire qui fire. Il fire totalement là. Je sais pas, ils discutent, je sais pas, ils voulaient un café, un thé, une cuillère de sucre ou sucre sans sucre avec un petit peu de nuage de lait. Bondy qui va prendre le kill sur JW, la rivage tardive. Wardy, Markelov. Markelov qui va tomber finalement sous les balles de Crims de Nice sur Chara. C'est une situation de 2v1 et je pense que vous pouvez déjà commencer. D'ores et déjà, call les GG Ward Edict qui se retrouve au pistol. Il va récupérer une AK-47. Voilà. Par contre, la nade, il va tomber à 20 HP. Ward Edict. Et Crims qui va pouvoir sauter. Et il va tomber. C'est le GG des joueurs Fnatic là-dessus. Avec beaucoup de difficultés, ils auront laissé des plumes sur ces deux BO1. Et du coup, bah, messieurs les parieurs, messieurs les viewers, messieurs les spectateurs, eh bien, merci d'avoir suivi le match et GG à ceux qui ont eu le bon pronostic. Et on se retrouve dans quelques instants, tout simplement, pour le match Astralis versus Ninja en Pyjama. Et c'est avec Tikrazy et Oli qui vous casteront le match. À du coup, tout à l'heure pour les deux casteurs. Et moi, pour ma part, je vous dis bonne soirée et bonne nuit. On se retrouve. Je ne sais pas quand, je vous le dirai un peu plus tard, je ne sais pas, on verra.